40 ans, on a 40 ans cette année de Petit Futé. On vieillit et le Petit Futé de la Martinique a 20 ans cette année. Donc voilà, moi ça fait 20 ans, donc ça ne me rajeunit pas tout ça. Ça fait 20 ans que je fais des allers-retours et je suis toujours ravie, je retrouve mes amis. Alors le Petit Futé a mûri, le Petit Futé a pris des rides, mais est toujours aussi dynamique. Et cette année, vous avez vu qu'on a fait des petits, qu'on a le Petit Futé Martinique qui perdure. Et on a un nouveau petit bébé qui s'appelle le Best Of, qui est notre nouvelle édition en anglais. Je suis assez fière parce que j'ai été un petit peu devin sur le coup cette année. Ça fait des années que je demande à mon éditeur qu'il faut faire quelque chose en anglais. Et il me dit non, mais en Martinique, il n'y a pas d'étrangers, il y a des Français qui viennent. Et cette année, il m'a dit, bon allez, ok, on a une collection en anglais au niveau international. Allez, banco, Isabelle, je te laisse, fais ton Petit Futé Martinique en anglais. Je viens au mois de mai, et alors là, on me dit, tu sais qu'il paraît qu'il y a une nouvelle compagnie qui doit s'implanter à partir du mois de décembre, norvégienne, etc., sur des vols sur les États-Unis. Donc voilà, nous sommes en janvier, la compagnie est arrivée, j'ai jamais vu autant d'Américains en Martinique depuis que je la fréquente. Donc voilà, j'espère que ça va être un grand succès à la fois pour la Martinique et à la fois pour le Petit Futé et surtout pour vous les professionnels. Donc cette année on arrive avec une hotte de Père Noël puisque les Petits Futés on les vend. Cette année le Petit Futé Best Of, on vous l'offre. Donc on a 10 000 exemplaires et depuis le début de la semaine, avec Pia qui est ici, Karine qui est ici, on fait les livreuses et on livre des Petits Futés à tous nos partenaires. Donc on fait ça jusqu'à la fin du mois de janvier, en tout cas Pia parce que nous on va retourner dans nos contrées froides à Nice. Et voilà, donc c'est vraiment la grande nouveauté et on en est assez fiers. Et on a également un Petit Futé e-book Best of Martinique qu'on a fait avec le CMT, je pense qu'il y a des gens du CMT qui sont là. Donc c'est un e-book à télécharger qu'ils vont offrir en fait sur les marchés étrangers, tous les gens quand ils font des workshops, quand ils accueillent des journalistes, ils leur offrent ce Petit Futé avec la signature de la Martinique. Et donc en fait voilà, les gens arrivent et ils ont déjà un outil, ils ont déjà des bonnes adresses avant d'attaquer leurs vacances.